Europe 1, faites entrer l'invité, 10h30, midi. Mathieu Madignan. Alors, en général, vous dites, je suis très heureux de vous accueillir. Alors moi, je suis très nerveux aujourd'hui, très tendu. J'attendais ce jour depuis longtemps. Et oui, ce soir, OM Inter de Milan en 8e de finale de Champions League. Je suis tellement content. Sinon, bonjour Daniel Auteuil. Bonjour. Alors, sinon, non, on se connaît avec Daniel Auteuil. Je veux pas faire le mec qui connaît des stars, mais je suis un mec qui connaît des stars. Voilà. Oui, je suis pote avec des stars. Au fait, est-ce que ça compte Jean-Pierre Coff comme star, Michel Drucker? Oui, bien sûr. Ouais, alors, je connais des stars. Alors, faut dire. Ça peut compter. Je viens de me renseigner auprès de Maître Capello. Ça compte, c'est bon. Alors. On se voit souvent avec Daniel et dès qu'on se voit, il y a Michel Drucker. Oui. C'est vrai, il faut dire qu'on passe notre vie ensemble avec Michel Drucker entre la télé, la radio. On est tout le temps ensemble, sauf dans les transports, parce que moi je suis plutôt métro, lui plutôt hélico. Mais sinon, on est toujours. Je me druckerise, il faut savoir. On a plein de points communs avec Michel. Vous avez une forte influence sur moi, Michel Drucker, je tiens à vous le dire. Oui. Depuis qu'on travaille ensemble, les filles dans la rue me jettent leur gaine de maintien. Oui. Il y a aussi une maison de retraite dans le Cantal qui porte mon nom. Non, je me druckerise, c'est clair. Il n'y a qu'au niveau du salaire où je me druckerise pas, il faudrait faire un truc quand même. Alors, donc, Daniel Auteuil. Ah, j'ai oublié de vous dire, c'est votre dernière chronique. D'accord. Je me disais, j'ai oublié de dire un truc. Ça y est. Allez-y. Alors, vous pouvez tout lâcher. Alors, je me lâche. Et donc, ouais. Daniel Auteuil, ouais. Alors, mon ami Daniel Auteuil, ouais. On s'est rencontré pour la 500e de Vivement Dimanche. Pour la 500e, Michel Drucker voulait inviter le meilleur acteur français selon lui, un mec adorable, un mec qui n'a pas changé, qui restait le même malgré le succès. Mais comme Depardieu n'était pas libre, alors il vous a pris finalement. Non, je plaisante. Michel, vous voulez pour la 500e car il adore ce que vous faites. Voilà. Mais cela dit, il aime bien ce que je fais aussi, donc c'est relatif. À cette occasion, on s'était parlé. Vous m'aviez dit que vous étiez en train de tourner le film La mer à boire. Et comme moi je suis comédien, grâce à vous, j'ai passé le casting. Alors j'ai pas eu de réponse, mais comme le film sort aujourd'hui, je pense que c'est mort. Voilà. Non, mais vous deviez faire La mer. Vous deviez faire La mer. Ah oui, c'est ça. Non, mais si vous faites la suite, on sait jamais, La mer à reboire, pensez à moi. Hein. D'ailleurs, j'embrasse la directrice de casting et je m'excuse pour ce qui s'est passé. J'ai fait une gaffe, je vous explique. Je suis arrivé, je l'ai félicité pour sa grossesse et en fait, elle était pas enceinte. Et surtout, c'était un directeur de casting. Voilà. Alors c'est peut-être pour ça que j'ai pas eu le rôle. En tout cas, super film. Par contre, faut prévenir les gens, La mer à boire, ce n'est pas un film sur le Costant Concordia, ça n'a rien à voir. Voilà, celle-là n'est pas passée, c'est pas grave, elle ferait ma mère. Si, si, elle était remarquable. On s'est revu il n'y a pas longtemps, Daniel, toujours dans Vivement Dimanche, mais pas sur le plateau cette fois, dans le KGB de Jean-Pierre Coff. Alors, je ne peux pas dire ce qu'on y a fait, car Daniel, comme vous le savez, ce qui se passe dans le KGB de Jean-Pierre Coff reste dans le KGB de Jean-Pierre Coff. Ça ne regarde personne à part nous, Jean-Pierre Coff et les autorités qui mènent l'enquête. c'est le KGB d'un bouilleur de cru, quoi. On ne dira rien. En gros. Oui. Je vous adore vraiment. Qui fait son alcool lui-même. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Alors, je vous adore vraiment. La preuve, vous êtes ami avec Nicolas Sarkozy. Je vous en veux même pas pour vous dire à quel point je vous aime bien. En parlant d'amitié, vous êtes aussi le meilleur ami de Dave. Oui. Vous confirmez que c'est vous qui avez préféré rester ami avec lui et ne pas aller plus loin. C'est vrai, c'est d'accord. Vrai, c'est vrai. Non, parce que, écoutez, sérieux, quand tu entends Vanina, rappelle-toi que je suis rien sans toi. Vanina, si tu m'oublies, je serai pour la vie seul au monde. Avouez-le, Vanina, c'était vous. C'est vrai. Voilà, voilà. C'est vrai, c'est vrai. Alors, j'ai rien contre Dave, attention, mais Daniel Auteuil et Dave qui sont potes, c'est bizarre. C'est vrai, parce que, regardez, Alain Delon, il est pote avec Johnny, Depardieu, pas avec la compagnie créole. Faites attention, Daniel Auteuil. Et j'ai rien contre la compagnie créole. J'adore le rhum, c'est pas le problème. En tout cas, Daniel Auteuil, en plus d'être l'ami de Mathieu Madénian, hein, voilà, parce qu'on est potes, c'est un grand comédien, le plus grand sûrement, on va pas, hein, c'est bon. Mais je vais quand même essayer de vous trouver un défaut. Avec à plaisir. Dave, hein, je veux dire. Et j'ai à trouvé. Dave, non mais ça va pas. Non, toi, il est cool, Dave. 12 nominations et seulement 2 Césars. C'est lamentable. En gros, ça fait 12 matchs et 2 défaites. Ça fait plus statistique déviant ton nom Gaillard que du Barça. Mais cela dit, moi je dis ça, j'ai un casting, aucun rôle. Ça fait plus Châteauroux qu'Evian ton nom Gaillard. En tout cas, j'espère. Alors, Evian, vous... pour des noms spécialistes, Evian ton nom Gaillard, c'est une équipe de foot. Oui, enfin, on, normalement. Enfin, eux, ils savent, j'espère. En tout cas, j'espère vous revoir très vite, Daniel Auteuil. D'ailleurs, ailleurs que dans le KGB de Jean-Pierre Coff, pourquoi pas sur un plateau de ciné. En tout cas, on a compris que tu essaies de te placer. Oui, je me plaçais tout à l'heure. Alors là, je vais décrocher en la mer à reboire, j'y suis. En tout cas, Michel, il faut finir à midi pile car je dois aller chercher Jean-Pierre Coff en cellule des dégrisements, donc il faut se dépêcher, voilà. Mathieu Madignan. Bravo. Quel retour en fanfare. Voilà, si vous voulez continuer à saouler, à enivrer Mathieu de vos applaudissements, il est en trévise tous les soirs. Si vous l'avez raté, lui vous rattrapera mardi au samedi, tous les soirs, au deuxième rang.